Le pays est en train de sombrer. Néanmoins, nous avons Claude Joseph qui est premier ministre pour un petit bout de temps, qui a accusé l'opposition de toute insécurité ça qui a perpétré dans le pays d'Haïti. Non, l'autre bord, nous gagnons opposition à lui-même, bon côté pâle, qui a accusé pouvoir destituer tout acte malhonnête, ça y est, dans le pays. Yon l'autre bord, nous gagnons coronavirus qui pas suspendre pété fiel peuple haïtien, mais aussi nous gagnons groupe armé qui c'est plus gros problème que le pays d'Haïti lui-même a pas confronté actuellement là. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la rubrique information ça. Ou même qui fait tomber sous chaîne nan mando pour abonner et ou même qui sont amis fidèles TAC 509 nan mando pour continuer like, commenter, partager et surtout éviter yon famille ou ak yon zami ou abonner yon façon pour yon karete connecté ensemble avec bon information. Pas oublier si vous abonnez, faut que vous cliquez sur petite cloche notification yon façon pour pas perdre pièce l'autre vidéo qui gagne pour venir là. Depuis que le mois de juin ça a commencé, nous avons dit que c'est un mois qui est terrible que le pays d'Haïti connaît dans l'année 2021. Groupe armé, yo pas bail population repos du tout. Sous Martissant, plus de 5000 personnes ont été obligées de courir quitter caillou puisque bandits ont empêché de vivre normalement. Et il y a plusieurs personnes qui mourent dans la zone si là et que c'est cochon ou bien chien qui mangent parce que l'État n'a pas de jamais arrivé prendre responsabilité pour ta retirer les gens pour diab qui victime en babal bandit à terre. Moun sa yo a vive actuellement là dans centre sportif Carrefourlan qui normalement te construit en façon pour recevoir match basketball et qu'on sa gen quelques tout qui subit des viols ensemble avec attouchement puisque un bien gen quelques moun qui dit c'est abri contre sexe c'est soit faire sexe ensemble avec yo bon côté pour dormir ou du moins ou pas gen côté pour dormir gen quelques moun tout qui subit viol la caille quelques moun qui recevoir yo ça veut dire situation là li même li vraiment compliqué en dans pays d'Haïti dans semaine ça et bien c'était une autre histoire puisque depuis lundi fait rentrer groupe Simon Peléo pas suspendre si mais la terreur sur route Carrefour aéroport côté yo t'est arrivé craser quelques entreprises malgré ça la police t'est arrivé prend situation en main et forcé bandi ça yo même yo retourner dans base yo ça qui pas empêcher que dans zone la saline cité soleil ensemble avec Martissant Delma 2 4 axis t'est gagné groupe armé qui pas suspendre affronter. Jeudi 17 juin 2021, situation te vin un peu plus compliquée pour moun ki a vive nan Badelma yo puisque groupe armé yo te commencé et bien attaquer moun yo normalement et ont été obligé sauver quitter la caillou pour yo tal refugié nan l'église Sétive qui trouve kol nan Delma 5. Yo situation qui pas des plus plaisants pour moun qui a vive bas Delma qui recevoir un pile cartouche et surtout gaz lacrymogène parce que pas de affrontement seulement entre groupes armés mais la police te rentré en jeu yo façon pour yo te ka déjouer toute vie tentative que bandi yo même yo tap essayé fait. Hier vendredi 18 juin 2021, c'était une journée tête fait mal, l'été pour zone métropolitaine, ensemble avec environ, puisque groupe armé était vraiment déchaîné. En pile pillage fait surtout dans marché Titonisa qui pas empêché monsieur Anthony Bennett lui-même faire comprendre que c'est travail que l'a travail ça qui rivé là pas qu'à empêcher le continuer travail pour aider pays d'Haïti avancer pendant que l'a créer des emplois pour moun qui a vivre dans population gen quelques l'autre côté tout qui arrivé pillé donc zone station Gonaïve c'est pas petit bagaille petit qui te gen là n'a pour vivre tout petit yon situation qui t'a déroulé hier dans zone station Gonaïve. Ok. Voilà,
c'était comme ça que bagaille lié dans zone ça puisque moun yo même yo te décidé piller marché Titoni et yo te fait comprendre normalement c'est des choukaille qui gagné donc tout business qui dans environ c'est rangé koyo puisque y a vinn manyen yo youn pa youn coup de cartouche pat suspend fait tant de brio dans zone si la yo ça qui te vinn fait dégeler au chol et bien sorti dans silence pour frapper pied la terre pour faire groupe armé au comprendre que bataille là lui-même li commencé puisque li pap ka kite yo continuer à bouler policier ou du moins ça a pas tuer policier comme ça et bien policier gen zam bandi gen zam bataille là commencé yo combat retio combat tout moun gen épée nan men yo y a avancé nous pas ka di nan moment là que ça qui pi fo arrivé gen puisque la police c'est lui même qui kembe monopole de violence armée nan men qui donc ligue tout droit à toute possibilité yon façon pour li ka stopper groupe armé sa yo qui pas suspend si men la tire en dan pays a n'a rappelé que jeudi qui s'est passé là et bien gen yon agent simo qui t'a arrivé perdu la ville et plusieurs l'autre moun te blessé nan massacre qui te gagné nan zone si la ensemble avec groupe armé yo Delma 6 4 ensemble avec Delma 2 n'a rappelé que président de la République lui-même ensemble avec tout premier ministre yo pa nan pays a puisque premier ministre t'est déplacé pour l'ital nan yon rencontre que Conseil de sécurité des Nations Unies t'a organisé et que président de la République lui-même bon côté pas là t'est déplacé tout yon façon pour l'ital la tio qui pour l'ital participer nan yon forum qui t'a fait sous question énergie qui donc de premier homme républicain yo pa nan pays a et personne pas connaît qui est qui t'a dirigé durant dernière 48 heures ça yo c'est ça qui fait que DGA lui-même li obligé mettre pied la terre yon façon pour faire moun yo comprendre que gen grand moun nan kala il t'a même arrivé indexé barbecue directement que nous tout connaît qui c'est ancien policier que vrai nom c'est Jimmy Cherizé qui t'a fusillé yon nan policier sa yo qui arrivé mourir qui donc bandi pa ka gen toute liberté sa yo en dan pays ya c'est ça qui fait que Léon Chan lui-même li annoncé que bataille là lui-même li a commencé et la prefin c'est là que la police gagner contrôle situation totalement. Avec ça, Michel Verrier qui c'est porte-parole la police là, porte-parole AI bien sûr, eh bien, te fait comprendre que toute police là en alerte maximale et que yo déploye yo dans chaque grand axe pays. Si gouti congé, c'est congé maladie la pied après ça, garçon, mettez canson dans senti ou bataille là commencer, faut que nous parer pour nous aller goumer parce que pays d'Haïti besoin moun qui pour défendre ni. Eh bien, c'est comme ça que bagala li même là la passé en dans pays d'Haïti. Dans rencontre qui te gagné dans Nations Unies, eh bien, les Claude Joseph premier ministre pour un petit bout de temps, te prend la parole sous insécurité. Madame Lalim te tellement content que yo te reporté référendum nan que li promet 5 millions de dollars américains yon façon pou yo ka renforcer police nationale d'Haïti a pou yo ka camper goumen pou yo ka travay yon façon pou yo ka rempli mission yo qui c'est protéger et servir et permettre pays d'Haïti retourner nan calme nan temps qui pral vinyo la puisque les États-Unis continuent soutenir idée organiser élection en de pays a nan fin année 2021 si la. Nan rencontre ki te gen nan ONU an tout, et bien Claude Joseph pat met glo nan bouchi ni gan nan mel pou te akuse opposition an de tout zak insécurité sa yo ki continue a perpétré en de pays a chaque jour. Pi plus li ta fait comprendre que c'est parce que moun sa yo même yo pa vle non seulement faire dialogue ensemble avec président Jovenel Moïse mais yo vle stopper tout ça qui gen awe ensemble avec progrès nan pays ya donc yo pa suspend si men la trouble yon façon pou yo ka mette population nan yon crainte avec yon doute pou yo ta soti al voter référendum ou du moins nan élection qui pral fèt yo la. Met André Michel bon côté parle toujours continuer sous même lancer et l'état répond premier ministre pour un petit bout de temps que président Jovenel Moïse pas président pays encore
c'est un président de facto puisque mandat est fini depuis 7 février 2021 qui s'est passé à la. Il y a aller plus loin pour faire comprendre que droits humains dans le rapport que lui mettait de roi accusé normalement pouvoir en place là de tout ça qui a passé en de pays. Surtout, li accusé li sous cause massacre La Saline, massacre Corfoufeuille, ensemble avec massacre Belè, qui donc si gagne une institution qui mettait plus insécurité en de pays, c'est pouvoir qui en place la PHTK, c'est un vrai problème pour pays d'Haïti. Il fait connaître tout que pape gagne élection en de pays, n'a toujours été nan ni élection, ni référendum, ni cohabitation, ni pièce bagaille, ensemble avec président Jovenel Moïse. Donc, il faut que la population ta focus, yon façon pour yon concentrer yon sur ça qui carré les transitions. Et là, il y a une possibilité pour yon normalement organiser élection et sécurité à tout, ap getan retourné blayi en de pays. Kinton lui qui bon côté parle c'est coordonnateur réseau national tête calé mais aussi directeur général centre national d'équipement CNE t'a fait comprendre bon côté parle tout que opposition c'est lui-même qui problème insécurité en de pays a yo paquet moun qui a prôné qui a dit démocrate mais qui pas même konn qui ça démocratie vle dit dans un pays démocratique opposition pour arriver sous pouvoir faut que gen élection normalement qui organisé personne n'a pas ta supposé envie prend pouvoir d'assaut faut que moun yo continue travail yon façon pour yo ta wè si yo ta changer situation pays d'Haïti à vivre là dans là actuellement là puisque c'est vraiment compliqué et situation ça lui-même lui dépasser yon paquet moun yon pays côté groupe armé a contrôlé normalement et que ni pouvoir en place ni institution qui gagne pour awe ni institution qui gagne pour gérer cause justice ak sécurité en dan pays a mandé climat de sécurité normalement pour yon taka arrivé travail. Gen quelques regroupements politiques tout qui continuent à demander pour gagner un accord politique en de pays pour élection ou même yotaka arrivé faite. Gen quelques dans parti politique ça qui fait comprendre ou pas commander yon moun qui toujours participer dans élection qui pas jamais rivé kazek pour li al participer dans élection kounya la li pas jamais d'accord et nous pas dit que on pays gen démocratie et puis c'est nous même qui voulait rentrer noté plus qui donc faut pouvoir en place la ta travail au façon pour li instituer un CEP que peuple li même ta arrivé gè confiance nan li et le ça y a ka commencer travail pour yo marcher vers des élections qui libre transparente et puis honnête. Ça a qui t'a poussé nous aller directement sous point qui t'a fait comprendre que président Jovenel Moïse sorti yon décret côté li fait connait que CCIA qui c'est Comité consultatif indépendant gagne 45 jours normalement pour yota remettre projet final constitution en rappelant que CEPA t'a fait comprendre que si toutefois yo renvoyer référendum nan c'est parce que normalement ka coronavirus continue à augmenter en de pays d'Haïti or yo référendum qui t'a pral fait 27 juin et projet final constitution lui-même li poko sous table exécutif là qui donc nous gagne 45 jours yon façon pour yo ka remettre projet final constitution si là et dernière cargaison matériel qui te gagne pour rentrer pour réalisation référendum nan et bien atterri en de pays a hier vendredi 18 juin 2021 qui donc sous affaire matériel toute bagaille getan paré pour référendum nan réalisé Claude Joseph nan l'ONU te fait comprendre notamment que référendum nan bientôt peuple haïtien a gen yon date pour yo konnen ki le l'ap réalisé normalement qui donc bat président Jovenel Moïse secoué président Jovenel Moïse touye président Jovenel Moïse la vin hante ou ensemble avec cause réalisation référendum ça en de pays puisque d'après lui-même c'est doté pays a de yon nouvelle constitution qui ka aidé avancer normalement puisque constitution 1987 là li alimenter presque tout problème que pays d'Haïti a confronté actuellement là.
La Chine, bon côté parle, eh bien, t'as pas d'accord ensemble avec la position que l'ONU prend, une façon pour lui organiser l'élection en deux pays. D'après représentant la Chine dans le côté là, il t'a fait comprendre que le pays d'Haïti pour comparer, pour lui recevoir et pour lui faire des élections qui libres, honnêtes et transparentes, surtout ensemble avec la situation d'insécurité ça qui continue à faire chimel en un pays à plus de jour en jour. Et bon côté par le représentant de la France dans l'ONU, mandé Premier ministre Claude Joseph qui l'a exactement que maître Dorval lui-même li abjoigne justice li. N'a pas rappelé que Pakien lui-même li ferme un dossier ça qui gen awe ensemble avec l'homme maître Dorval après que yo te vin arrivé relé devant la barre première dame de la République Martine Moïse, ancien premier ministre pays d'Haïti à Joseph Jout, Guichard Doré qui c'est conseiller président, mais aussi nous gen Renaud Georges qui c'est eh bien yon avocat qui n'a pas rappelé te faire comprendre que dans le pays d'Haïti là actuellement là chaque grain monde a supposé marcher ensemble avec yo Galil la men yo puisque situation li vraiment commencé exagéré dans le pays a sous point sécurité. Robinson li même bon côté parle te git porter tête devant la cour d'appel côté l'ital répond ensemble avec quelques questions qui gen pouwe ensemble avec l'homme maître Dorval. Fantôme 609 yo qui t'a fait au moins 2 mois qui pat jamais parler nan cause ça qui a passé dans pays d'Haïti a sorti dans silence puis fait comprendre que lundi avec mardi qui a venu là que toute population haïtienne supposé rester la caillou puisque c'est dernier combat que yo pral faire contre opposition ou bien pouvoir yon façon pour yo ka libérer pays a et d'après eux même yo recevoir l'ordre nan mais papa baron pour yo faire tout ça qui gen pour faire pour délivrer pays d'Haïti et combat ça tout li praler pour chaque grain policier que arrivé mettez code sous yo injustement et que jusqu'à présent même devant juge policier ça yo même yo pas ka passer 2 jours ça yo fantôme 509 baptisé yo journée noire qui donc pour bien chaque grand monde en dans pays d'Haïti faut courir té la caillou yon façon pour ka protéger tête. Coronavirus continue à faire dégâts en dans pays d'Haïti. Eh bien magistrat juge Jean-Luc Carrel René Sylvestre lui-même li gagné coronavirus et bien malheureusement situation vraiment inquiétante, c'est ambulance yo obligé après les yon façon pour yo ta transféré nan terre étrangère pour la prendre soin que cal lui-même nécessité. Est-ce que nous ouais dans qui situation que nous vivons dans pays d'Haïti? Dans pays d'Haïti, pas gagné l'hôpital pour nous traiter COVID-19. Alors que gen yon paquet moun ki gen COVID-19 ki a pran soin dans l'hôpital pays d'Haïti, mais là ka juge lui-même tellement inquiétant que c'est un avion ambulance que a obligé rele yon façon pour yon ka transférer en terre étrangère pour la prendre soin que kali nécessité. N'a fòk konnen que lundi 21 juin qui a venu là gagné 132 000 doses de vaccin AstraZeneca qui gagné pour rentrer en dans pays d'Haïti yon façon pour nous kagoumen contre COVID-19. N'a rappelé que AstraZeneca, qui est propre laboratoire PAL, t'a fait comprendre que vaccin ça lui-même n'est pas efficace pour ta traiter maladie coronavirus. Mais quand bien même, vaccin lui-même l'a rentré en dans pays d'Haïti, yon façon pour yon ka suspendre propagation coronavirus. Sébastien Franchal, bon côté par lui-même qui c'est secrétaire d'État à la sécurité publique, a fait comprendre que gagné normalement yon alerte de sensibilisation et gagné tout des machines qui dans la rue yon façon pour yon ka sensibiliser moun yo contre maladie coronavirus là. Toujours mettez cache, toujours laver men nou, toujours pas bailler la main et toujours kembe yon mettre 50 maintenant, nous remercions le fait qu'on quitte nous entrer la caille. Et nous avons commencé avec l'actualité dans le pays d'Haïti pour nous dire que dans le 17 juin 2021, et donc jeudi, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a organisé une rencontre sur la situation dans le pays d'Haïti. Parmi les officiels qui ont participé dans la rencontre, ça, qui n'étaient pas la parole, de, entre autres, le Premier ministre haïtien et Dr. Claude Joseph, le représentant de l'ONU dans le pays d'Haïti.
Haïti, madame Hélène Lalime, te gen l'autre et membre et représentant Haïti encore, et puis te gen tout membre Conseil de sécurité et dans Nations Unies, en particulier les États-Unis qui étaient là dans ça. Mais il extrait dans message chef gouvernement haïtien monsieur Joseph mettez devant conseil là. Monsieur le président conseil là, ambassadeur, mesdames messieurs. Pour commencer, moi t'avais remercier Conseil sécurité hein, pour intérêt toujours montré pour développement positif situation économique, politique, sociale et situation sécuritaire en Haïti. Réunion jodi a une importance particulière parce que l'a déroulé non moment côté République d'Haïti, pays non trouvé non cas fou critique. À la vérité, depuis plus passé 2 ans, pays a traversé une situation sociopolitique très difficile. Et ça caractérise lui, c'est une série de tentatives répétées pour déstabiliser la situation, hein, mettre sous destruction l'ordre public là. Et tout ça, c'est action quelques segments de l'opposition hein, qui a fait effort pour simailler des ordres et instabilité dans le pays. Là. Nous t'aimerions remercier et complimenter le secrétaire général là pour le dernier rapport là que lui présentait sous situation en Haïti. Sans dire peut-être, nous partageons quelques pigo conclusions et recommandations. Cependant, nous regrettons que le rapport ça pas prend en considération assez progrès importants que nous réalisé dans le pays pendant 3 à 4 années passées dans le domaine promotion et respect pour droit moun, lutte contre corruption, amélioration dans le domaine gouvernance là avec renforcement état de droit. Moi t'aimerais remercier nous toutes qui d'une façon claire, sans embâche et totale manifester solidarité nous avec peuple haïtien qui si souvent ces victimes incompréhension quelques politiciens avec membres oligarchia qui quittaient guidés par des intérêts mesquins. Monsieur le président, mesdames messieurs ambassadeurs, quittez me profiter de l'opportunité ça pour me communiquer nous ferme engagement président haïtien son excellence Jovenel Moïse pour faire tout effort pour établir un climat la paix à travers dialogue et pour travailler ensemble avec toutes forces concernées, sans oublier parti politique avec ONG. Pendant l'attente pour l'opposition embrasser le dialogue finalement et puis travailler ensemble avec nous, ça qui représente le seul moyen pour nous arriver à sortir dans l'impasse politique, ça, pour voir l'exécutif là accomplir responsabilité vis-à-vis du peuple IA. Il prend engagement pour réaliser élection dans tout niveau dans fin année, une façon pour renouveler personnel politique là, rétablir fonctionnement toute institution démocratique yo et puis garantir transfert pouvoir ba un président démocratiquement élu dans date 7 février année prochaine. C'était une tradition Jean-Lionel Desmarades, bon qui parle diplomate américain qui prend la parole dans circonstances reconnaître que le gouvernement haïtien fait quelques efforts. Mais d'après lui, il y a un pile travail qui était pour faire autorité de faire en Haïti. We believe that the government of Haiti has not sufficiently focused on addressing Haiti's most urgent priorities. Nous croyons que gouvernement haïtien n'a pas centré attention assez sur travail pour poser problème pressant Haïti gagne yo tant qu'organiser élection parlementaire qui est capable de mettre fin dans la période actuelle là côté président Moïse a dirigé par décret. Nous notons avec appréciation l'effort gouvernement développé pour inscrire l'électeur. Mais il y a plus de bagailles qui doivent faire toujours. Les États-Unis ont encouragé plusieurs fois ni le gouvernement haïtien ni l'autre parti concerné pour créer les conditions nécessaires pour le déroulement élections législatives et présidentielles libres et honnêtes avant fin d'année. Puis récemment, toujours, les États-Unis ont fait partie d'une délégation, organisation État américain. Qui t'a visité Haïti, sorti dans la date 8 pour arriver dans la date 10 juin, pour nous discuter sous l'impasse actuelle avec le gouvernement et pour nous rencontrer avec l'idée opposition avec la société civile là, sous crise là. C'est avec impatience que nous rapport OEA et nous pourrons continuer à suivre l'évolution de la situation avec l'OEA, l'ONU et la communauté internationale là. Tant qu'on dit ça plusieurs fois déjà, le peuple haïtien mérite une opportunité pour élire le gouvernement et pour rétablir l'institution démocratique pays. Seul moyen pour le pays à sortir dans un régime qui est dirigé par décret, c'est organisation libre et honnête élection législative. De quoi pour le Parlement haïtien capable de recommencer à jouer rôle constitutionnel.
Et ça, c'était un représentant des États-Unis dans les Nations Unies qui était pas la parole dans l'occasion de rencontre sur la situation dans le pays d'Haïti. Alors, étant donné que le représentant des États-Unis a parlé de délégation ça qui était allée en Haïti, eh bien, nous avons parlé avec le représentant AI et le représentant permanent AI États-Unis dans l'OEA. C'est M. Edward Hartney qui était dans une interview. Mais ça, qui est l'impression que le débat nous de rencontre ça ou bien délégation de gain de lui-même. Tout impression que le gain de visite ça que tu fais dans le pays d'Haïti. I was struck. First of all, many people talked about the security situation and how serious it was, and some of the risks of gang violence there. There was also a great deal of distrust. But on the other hand, there seemed to be great interest in President Jovenel Moïse, opposition, société civile, là, à Claude Patio, ensemble pour jouer une solution dans cette politique là, qui capable de gagner un impact sur prochaine élection. Délégation ça, t'es gagné là-dedans, représentant États-Unis, Costa Rica, Sévenson et Grenadine, Canada avec Équateur. Délégation a été rencontrée président Jovenel Moïse en deux occasions. Une cinquantaine de partis politiques dans l'opposition, secteur d'affaires, société civile là avec l'autre secteur. Ambassadeur Edward Hartney, qui est assistant provisoire représentant des États-Unis dans l'organisation régionale là, est parmi les délégués. Une interview exclusive avec le service créole La Voix de l'Amérique là, diplomate américain a parlé pour dire d'abord intervenir avec les Haïtiens, parler de situation sécurité à dit grave, violence gang. À promettre, c'est un peu de méfiance parmi eux. Mais, dans l'autre côté, ils ont manifesté un peu d'intérêt dans l'élection. Divan américain dit nous te présenté 5 points comme objectif de chercher parmi eux engagement pour démocratie représentative. D'après Chatea, engagement pour élection législative et présidentielle déroulée dans l'année 2021, Cap Libre. Pour être d'accord tout pour jeunes compromis, pour jeunes accords politiques d'intérêt peuple haïtien, pour prendre engagement contre violence politique avec impunité et puis engagement pour respecter les droits humains. Délégation pas aller en Haïti avec attention, si vous voulez parler, pour lui imposer une solution dans la crise haïtienne. Donc, au moins dit, après avoir exprimé qu'elle sautait sous sécurité avec sa capacité si pas une élection dans le pays. C'est pour toutes les gens qui font n'après pression pour une élection dans le pays en 2021 pour capable de gagner une transition pacifique entre le président élu avec Yola. Sous question pour qu'on ait si opinion mission intégrée avant l'Italie en Haïti a changé après le fin de temps des déclarations parties concernées, eh bien, le diplomate américain dit. Il était déjà connu que la question sécuritaire c'était un problème. Tout intervenant a parlé de gravité de la situation. Ensuite, on était surpris pour le niveau de méfiance qui existait dans le temps parti concerné. Sans oublier les difficultés pour mettre ensemble pour jeunes un accord politique. C'est ce qui était justifié la présence nous en Haïti pour essayer de mettre tout le monde ensemble. Monsieur Hartney, quoi, l'élection est toujours possible, même si il y a une mise en place qui peut faire pour inscription électorale. Il y a un travail qui peut faire la sécurité qui doit gagner pour candidats ou mener campagne avec sécurité dans l'élection. Il y a des politiques de mettre ensemble pour joindre un accord politique. Nous demandons des partis concernés pour joindre un compromis. Ils ne sont pas capables de faire tout le bagage qu'ils ont besoin. Sur question de réalisation de l'élection, les participants n'ont pas une garantie ferme, même si nous croyons que c'est toujours possible. En pile, membres opposition intéressés, well, c'est vrai. Mais parti partis doivent travailler ensemble. Concernant la déclaration de l'idée politique qu'ils ont fait pour dire qu'ils ne sont pas prêts à aller dans l'élection avec le président Jovenel Moïse, avec l'actuel KPA, mais le diplomate américain dit que c'est un gros problème. Moi, j'entendais que parmi les membres de l'opposition mentionnés pour ça, États-Unis, le mandat du président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. C'est une question qui doit résoudre pour gagner une élection libre et que la population en fait confiance. Pour ça qu'il y a un rapport avec sa capacité, si l'élection pas déroulée à ça, eh bien, moi, pas voulais expliquer, mais c'est une question que les États-Unis avec le gagné sous possibilité ça. Pour ne pas oublier qu'Haïti gagne un pile défi avec problème tant qu'on prend des COVID-19 là, problème économique, situation politique là, c'est les gens qui font un pile pression tout pour gagner un gouvernement de transition démocratique au lieu d'un gouvernement de transition qui parle.
élu. Diplomate Edouard Adney, qui s'est assistant au gouvernement permanent États-Unis dans le a dit ses paroles gouvernement américain pour imposer une solution sur l'avenir du pays d'Haïti, mais n'a fait tout ça nous capable pour encourager et puis faciliter discussions politiques en partie concernée. So that's one of the issues that has to be resolved, how you have a free and fair election that people have confidence in. It's not enough to run an election. It's something that the large part of the political body and the Haitian people. N'a salué quelques téléspectateurs qui branchent sur nous et qui suivent nous en direct sur page Facebook noir. N'a salué Salem Mercena, Marie Saint-Paul, Monsanto Chéri, Géraldine, Nelson Etienne, Walden Joassin, Constant, Mathieu Joseph et Gomme qui t'a demandé pour Désir et qui Jean-Daniel Désir. Et puis nous connaissons tout l'autre monde qui est déjà là, nous pas oublier nous et pas oublier jeudi à ce week-end, ce jour pour nous fêter. Et puis il y a Orvince Montimar qui branché sur nous là et qui a suivi nous en direct sur page Facebook. Nous, mes amis, félicitations pour le fait que nous toujours branchés sous la voix de l'Amérique. Dans l'autre nouvelle, Zach violence qui a déroulé dans trois circonscriptions, particulièrement l'entrée sud-capitale haïtienne. Port-au-Prince, bien, la troisième circonscription Port-au-Prince, donc l'entrée sud-capitale à Port-au-Prince, eh bien, il n'y a pas été sans conséquence sur quelques institutions scolaires qui sont dans la commune Carrefour, par exemple. Dans un reportage correspondant à nous, Mathieu Dovine, mais tu es préparé pour nous. L'école haïtienne en soi m'ba ouais au prêt pour nouveau secondaire parce que nouveau secondaire demande minimum 8 heures de temps de travail par jour pendant que nous prenons pas jeune 5 heures de temps même. Pas gain vraiment structure pour qu'on fait un bon nouveau secondaire tant que moi même on fait SVT, t'as supposé qu'il y a un laboratoire chimique dans lycée là ben c'est t'as supposé faire par expérimentation donc pas gain ça du tout. C'est forcé, c'est on croit qui énormément on mettait sous tête nous que nous avons essayé porter mais qui pas à la hauteur. Devant effort à fait pour essayer d'adapter à la méthode nouveau secondaire, élève lycée Louis-Joseph Janvier et Henri Christophe des établissements publics qui n'ont commune Carrefour a expliqué impact crise insécurité à gagner sur eux. Et puis fort professeur que nous gagne qui fait cours ici gagne dans l'université Delma, gagne dans Répétionville, gagne dans ça tout qui était en centre-ville. Les que comme si gagne problème ça au matin avec Fontama, les ça au parc à traverser pour venir faire pour lycée aller ça nous subit absence parce que dans l'heure ça nous ta supposé gagne professeur, yo pas ca venir cause problème. Gagne professeur nous qui était Delma, li pa ka vin fè kou a koz de Matisse. Et yon élève vacation à M, on connaît les suivre coupé M tout, donc on a gagné un professeur biologie qui très performant en après-midi en à cause des situations il pas capable traverser. Même bagarre là pour professeur chimie tout, bon même ça me gagne dans matin c'est qu'a fouyo tout habité donc il est venu mais ça qui plus performant yo dans après-midi pas capable venir à cause des situations et Matisse. Donc ça a li affecté tout moi-même. Normalement, nous t'as supposé que professeur ou comme ou elle lance nous cap dégager nous pour contre nous. Parce que professeur nous en gagnant, il était juste tellement. Comment l'a fait passer pour le venir faire courant, même s'il était volontaire, pas besoin qu'à venir. Imaginons qu'il y a des petits mouns qui étaient matissants, soi-disant qui étaient en l'air. Et me penser ça a un impact psychologique qu'elle va le faire. Donc au niveau apprentissage, petits mouns, non, me penser ça va mal. Pour un élève qui fait qu'on est lycée en victime confrontation groupe avec examen matissant. Dis-nous pourquoi on met pour reprendre comme ça roi. Comme si les bal ont commencé à me venir l'école et puis mon nan m'a appelé, m'a dit me pigam entrer parce que déjà quitté la caillou, gantan aller dans zone Jamel, mais l'aime t'est arrivé, mais l'aime t'est arrivé moi pas de rentrer, mais tout le monde comme si gien monde qui gè là dans zone là qui dit nous caillou nous bouler, même pas gantan souvent sauf uniforme qui était sous moi avec valise l'école moi était dans dôme seulement. On était commencé à préparer l'examen, mais à l'aide des sacs, se trouvait bon. On te dit toute bagarre comme si ouais pour moment là toute bagarre noire pour moi parce que l'esprit m'a beaucoup vraiment adapté. Avait dit comme si l'esprit m'a normal même parce que pour toute bagarre ça passe. Non, c'est constant ça. Élève demandé pour instance concernée considérer capable. Il est très bon pour qu'il soit capable alléger l'examen pour nous. Donc c'est ça qui m'a amené ministère à le faire pour nous. De toutes les façons, l'examen l'a fait et c'est à ministère là, ça revient à ministère là pour essayer de gérer la question ça parce que si zone n'a pas de problème,
bandi kap goumen la den, ba panse ke ministère la voye nou al compose nan zone à risque sa yo. Personnellement, m'pense ke l'te kapab e servi avec un paquet de ban e l'autre l'école privée qui nan des zones qui plus ou moins stable pour l'te kapab e faire élève yo compose la den. Les mon exemple là, m'di ka di lycée Jacques Oumer qui nan Matissan, li pa ka fonctionner. Li pa ka fonctionner du tout. Là les que comme si nous même et les que comme si m'a dit n'a suivre cou yo même yo pa ka suivre cou là on pa ka dit pour aloser pour ba nous même examen faut que ou t'es capable faire une considération pour yo. Toutefois la voix de l'Amérique t'est cherché rentrer en contact avec yon membre dans bureau district scolaire dans Kafou. Téléphone n'était sonné sans réponse. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilmé pour la voix de l'Amérique. Merci Massia Dovilmé. Eh bien n'a dit que réseau journaliste haïtien en santé invité autorité en dans pays a pour rendre disponible vaccin contre Covid-19 avec tout membre dans population. Statistiques qui liées à évolution coronavirus là pendant 8 derniers jours ça yo montré qu'il y a 28 nouveaux monde qui mouri avec 993 monde qui infecté. Même bilan ça a révélé monde qui admis en soins urgence dans l'hôpital totalisé 193 d'après précision secrétaire général réseau haïtien journaliste dans affaires santé. Chiffre ça a montré situation coronavirus dans pays d'Haïti derniers jours ça yo était stable avec un taux létalité qui variait entre 2.15% d'après explication Odile L'Espérance. On est au stade de début de nouveaux variants qui demandait pour que la population haïtienne li toujours continuer rester vigilant. Rester vigilant veut dire continuer à appliquer toutes mesures de barrière, une façon pour nous capable barrer la route à coronavirus. De l'autre côté, numéro 1 RHJS a dénoncé ça relé une discrimination au niveau pratique vaccination dans pays monde qui gagne l'argent et puis haute dignité dans l'état traversé dans pays les États-Unis ou bien République Dominicaine pour aller prendre vaccin contre Covid-19 là. D'après sa docteur Odile révélé pendant le fait qu'on est vaccin ta doué à disposition toute population, li invité autorité concernée yo fait diligence pour rendre disponible vaccin ça pour toute population. Gagne information que gagne des autorités dans pays yo même yo prend vaccin yo. Mais population pas joindre. Donc ça veut dire un groupe capable gagne ou l'autre groupe pas ka gagne. Donc dans sens ça n'a demandé rapidement pour gagne des diligences qui fait pour que meilleur vaccin yo capable disponible pour la population générale. C'est extrêmement urgent et important pour que ça fasse dans le plus bref délai. Pneumologue Ewol Joseph, qui était présent dans la conférence de presse, a dressé un tableau sombre sur la situation santé pays, notamment après l'introduction variant anglais et brésilien. Expert en promotion santé a invité même population à mettre en pratique conseil hygiène et pas hésiter à l'hôpital si vous avez senti symptômes de maladie. Recherche qui a fait dans plusieurs pays et recherche ça yo montré que quand même il y a des molécules même si on peut valider qui bail des résultats et il y en a d'ailleurs c'est ivermectine que ils ont utilisé dans le cadre de l'onchocercose les mounio en Afrique té qu'on des problèmes cécité à cause de maladie à urine aveugle et bien il y a des études qui fait sur ça mais rester pour valider mais en même temps bien l'autre médicament tout les macrolides ça nous les macrolides même si nous pas médecin c'est un groupe de médicaments que on baille et même le cas de pneumonie atypique par exemple nous le on baille et il y a l'azithromycine et l'érythromycine que on continue à utiliser dans les cas de pour traiter les cas de Covid-19. N'a pas rappelé comité réseau journaliste haïtien en santé lancé une campagne de sensibilisation depuis 10 juin qui saute passé là pour sensibiliser population haïtienne sur comportement li doit adopter face à coronavirus là. Campagne ça étant née sur période 3 mois parallèlement gain 11 séances formation sur Covid là qui parle gain pour organiser dans intention travailler la presse dimanche cap vini là selon responsable yo. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique.
Eh bien, on a dit que tu as un groupe haïtien qui a organisé une manifestation dans New York jeudi à devant les Nations Unies pour dénoncer la situation dans le pays d'Haïti. Eh bien, la manifestation ça a fini. Et sans aucun incident, d'après ça, un organisateur dit nous, on a venu la semaine prochaine avec détail sous la manifestation ça. Mais en attendant, nous pourrons recevoir un autre invité, lui-même, qui a parlé nous de l'autre événement qui a déroulé dimanche à Capvini là. C'est docteur et Sandra Duval que nous avons souhaité. Bienvenue pour la première fois sur la Voix de l'Amérique. Docteur Duval. Allô? Oui, docteur Duval, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Merci. Alors, dis-nous, nous connaissons que grand événement qui a déroulé et dimanche ça qui a venu là sont des événements culturels et sont affaires religieuses dans les Caraïbes là. Alors, oui. Sois capable de dire-nous et qui ça événement ça lié exactement? Alors, événement ça, c'est l'IFET, son organisation qui est le Comité Action Politique Américain à Caraïbes. Ou bien le CEPAC, en anglais, c'est Caribbean Interfaith Service Committee. Alors, mission libre, mission principale, li, c'est pour l'IFET servir comme seule voix politique qui unifier comité vibrant qui a grandi dans la zone métropolitaine. Alors, ça l'a fait, c'est un événement qui mettait accent sur religion, culture à l'autre pratique dans les Caraïbes. Donc, alors, ou même, par exemple, on connaît que Haïti, là, dans le tout, comme nous, dans les Caraïbes, là, c'est qui, Jean, participation haïtienne pour allier parmi l'autre pays, encore l'autre pays dans le Caraïbe là? Qui ça nous-mêmes nous parle pour nous dire, participant? Alors, ça y a essayé fait, c'est essayer, parce que qu'on est Caraïbe là, c'est la caille en pile variation, variété, pratique traditionnelle, religieuse, avec cérémonie qui sortit dans la tradition africaine. Alors là, il y a bien monde qui a parlé de Santaria, il y a bien monde qui a parlé tout sur Rastafarien, et moi-même a parlé sur Vodou. C'est un groupe jeune qui te mette ça en place. Donc, docteur Duval, alors est-ce que rencontre ça qu'a fait là, c'est qui vient la faire? Est-ce que c'est une rencontre physique côté nous tout à ensemble, ou bien encore on a pu utiliser moyen visioconférence étant donné que la pandémie COVID-19 la oblige? Non, on l'a fait sous Zoom. Alors, pour nous connecter, c'est pour nous joindre direction sur Facebook ou bien Eventbrite. Si on a cherché page Facebook là, qui est CEPAC, CEPAC c'est notre organisation, C-P-A-C. Et puis, service là, c'est en 20 à 4 p.m. Donc, pratiquement, docteur Duval. Alors, docteur Duval, qui ça nous voulait réaliser exactement? Qui est le vrai objectif et rencontre brasser l'idée ça sous religion dans Caraïbes là? Qui ça nous voulait l'autre peuple qui connaît de nous-mêmes qui sont dans Caraïbes là? Alors, c'est deux bagailles. Premier bagaille là, c'est un groupe jeune qui, plus là dans yo, c'est élève université qui met groupe là ensemble. Et yo vle que yo serve yon voix et on voit uni pour moun qui habite dans zone métropolitaine qui caribéenne américain. Et le plus yo fait activité ensemble, plus nous ka gen yon voix uni. Raison yo vle voix uni hein, c'est que c'est pour yo ka endosser candidat pour poste politique dans zone nan. Et puis, yon vle candidat sa yon, c'est moun ki ka articuler position politique qui pral renforcer condition économique, condition éducation, social, qui dirait moun ki gen, ki habite dans zone nan. Alors, c'est surtout caribéen américain. C'est peut-être ça, yon vle faire différents événements, premier pour unir nous ensemble. Deuxième partie, il a commencé avec religion, parce que vous connaissez Caraïbes là, c'est la caille, une variété encore religion traditionnelle. Et religion, ça a été soutenu les ancêtres nous pendant le passage moyen, et pendant que vous avez souffert. Et vous voulez que nous comptions, jusqu'à présent, religion, ça a un peu de courage. Pour tout ça qu'il y a besoin chaque jour. D'accord.
OK, merci en pile docteur Sandra Duval pour information ça. Nous souhaitons bonne chance et espérons que l'autre culture il va apprendre de nous de culture pas nous religion dans Caraïbes là qui en ça. Nous remercions en pile n'a pas grand chance encore pour nous faire reparler encore sous situation. Non, l'autre nouvelle n'a pas rappelé que ici aux États-Unis traditionnellement nos américains ont célébré chaque année fête relé June 19 qui c'est 19 juin ou bien encore pour réfléchir sur anniversaire annonce des fêtes en juin 1965 pour dire l'esclavage était prend fin officiellement dans pays et bien Congrès américain a officialisé date ça et à partir de un projet de loi que a voté le président Joe Biden signé pour faire date 19 juin tourner un jour fédéral donc un jour férié et fédéral côté que qui mettait fin officiellement dans date ça l'émancipation que président et défunt président ou bien président Abraham Lincoln était signé et était annoncé ça l'émancipation et bien là ça dernier groupe esclavagiste après une nouvelle là même si c'était temps mais était après quand même et bien c'est comme ça que journée jeudi à son jour férié et c'est première fois à partir de 19 juin 2021 et bien jour ça jour 19 juin il tournait un jour fédéral et il vient ajouter sur l'autre jour fédéral qui toujours. Mesdames et messieurs, c'est toute information ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui. Merci d'est-ce que vous continuez à like, commenter, partager. Merci d'est-ce que vous continuez à inviter vos familles ou à vos amis ou rester connecté ensemble avec chaîne. Merci. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Bye bye.